grand studio RTL. Ah là là, Charlie, faut trop que je te dise, quoi. Mais je suis trop in love, quoi. Mais je meurs trop, quoi. C'est trop un amour impossible. C'est Michael, le fils du deuxième mari, la troisième femme de mon père. En fait, on était au ski, tu vois, et il m'a regardé genre... comme ça. Mais non, mais pas comme ça. Comme ça. Non mais attends, mais Michael, c'est comme mon demi-frère, c'est trop de l'inceste, en fait. Bon, Enguerrand, tu lâches? Excusez-moi, Madame Pichard, hein, c'est Enguerrand, il saoule. Hé, Charlie, t'as pas du gloss? Non mais attends, mais toi, t'as jamais de gloss, en fait, quoi. Moi, le mien, je l'ai chouré à Monop. Mais attends, mais toi, t'as déjà couché avec un mec, au moins? Non plus? Non mais attends, mais c'est bon, Charlie, faut grandir un peu, là. Bon, Enguerrand, ça va, ma gomme, ma gomme, ma gomme, ma gomme? Tu veux pas voir ma chatte, aussi? Pff, comment il saoule. Excusez-moi, Madame Pichard, c'est Enguerrand, hein. Moi, je me suis déjà fait avorter 5 fois. Ouais. Mais je peux pas te dire de qui. Bon, allez, ok, je te le dis. De Patrick Bruel. Mais il veut pas que ça sache. En fait, tu vois, il est venu à la maison et il m'a regardé genre comme ça. Et ça m'a fait des trucs dans le ventre. En fait, tu sais, comme si j'étais morte, mais en fait, comme si ça me faisait pas trop mal d'être morte, tu vois ou pas? Attends, attends, 2 secondes. Ouais, ouais, allô, ouais, maman. Non, mais maman, tu me déranges, je suis en cours de français avec Madame Pichard, là. Quoi, ton sac Chanel? Il est dans l'aspirateur? Mais attends, mais c'est pas moi, c'est Céleste. Elle est en galère de sac pour l'aspirateur. Je lui ai filé ton vieux Chanel. Non, mais c'est bon, maman. Je veux dire, même la clocharde devant le carreau de Neuilly, elle l'a. Oh là là, non, mais comment elle me saoule, quoi. Pardon, hein, Madame Pichard. Ah non, mais ma mère, tu la verrais. Oh, elle s'est fait des injections, mais quand je la regarde, je vois toutes les cicaves monétaires à mon père dans ses lèvres supérieures, quoi. Et depuis que mes parents, ils ont divorcé, tu sais, ma mère, elle est jalouse de moi. Ouais, du coup, on va chez le psy ensemble. Et elle a tellement peur que la psy, elle augmente ses tarifs, qu'avant chaque séance, elle planque son sac Gucci dans un sac Tati. Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Madame Pichard? Bon, eh, vous vous détendez du string tout de suite, parce que là, je suis pas d'humeur. Ouais, bah ça va, pour une fois que je viens, soyez cool, hein. Quoi? Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Ouais, pourquoi ça tombe jamais sur Peggy Renault, là? Ouais, 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 ouais. Eh, on le sait que l'année dernière, son père, il vous a eu une R5 d'occasion, alors que l'année dernière, vous veniez en transport, en public. Alors, un peu de respect, ok? Eh, viens Charlie, on se casse. On va aller piquer des trucs à Monop. Madame Pichard, Madame Pichard, Madame Pichard, j'ai mes trucs. Mes Sophie. Mes raviolis. Mes ragnagna. Les Anglais ont débarqué, allô, j'ai mes règles. Non mais ça va, mais on le sait que vous, vous êtes en ménopause, mais moi pas. Comment ça? Je les avais déjà la semaine dernière. Ouais, mais c'est à cause du stérilet à ma mère, il est trop pas adapté à mon âge. Madame Pichard, est-ce que Charlie, elle peut m'accompagner à l'infirmerie? Ouais, merci beaucoup, Madame Pichard, merci beaucoup. Ah la vache, comment elle saoule, quoi! Eh, tu sais quoi, Charlie? Enguerrand, samedi, il m'a montré sa bite à la boum de Sabine. En fait, Charlie, c'est quoi? On va aller chez moi, on va te relooker parce que sinon ils te laisseront jamais rentrer à Monop, quoi. Mais d'abord, faut que je te dise un truc super important. En fait, ma mère, à la base, elle s'appelle Michelle, ouais. Mais elle se fait appeler Joy. Ouais, parce qu'elle voulait faire table basse de son passé. En fait, Joy, c'est plus rapport à son métier. En fait, ma mère, elle est attachée de presse de chanteurs morts. Tous les chanteurs dont elle s'occupe, ils sont morts. Du coup, elle est débordée, quoi. Bon, allez, viens, Charlie, on se casse. Voilà. Voilà, mademoiselle. Charlie, c'est Charlotte Desgeorges.